Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la microbrasserie La Fosse. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est très simple. Il y a de ça quelques jours, La Fosse a célébré son 3e anniversaire et pour l'occasion, ils ont été assez généreux pour nous fournir quelques petits produits que je vais vous faire tirer dans un instant. Juste le temps de vous dire que La Fosse est une microbrasserie située à Donnacona, donc dans le comté de Portneuf. Ils sont spécialisés dans l'IPA, les double IPA, ils font des très bonnes lagers, d'excellents stouts. Ils ont fait un petit peu plus tôt cette année des bières de 16 levure sauvage qui sont phénoménales. Ça fait que ceux qui ne savent pas, je suis fan de micro, ça fait peut-être une vingtaine d'années, longtemps avant que le boss commence, quand il y avait juste de la Unibrew. Et puis, j'adore les produits de La Fosse. Ils sont probablement dans les meilleures nouvelles micros du Québec dans les 5 dernières années. J'exagère pas une seule seconde. Ça fait qu'un gros merci à La Fosse pour leur générosité. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tirer? C'est très simple. Donc, un petit peu de merch. On va avoir une tuque aux couleurs de La Fosse. On va avoir un verre de dégustation. Ils nous ont fourni une carte cadeau de 20$, donc pour acheter vos produits favoris. Et de par moi-même, je vais vous racheter la petite double IPA, donc valeur de plus de 50$ quand même. Donc, un gros merci aux gens de La Fosse. C'est hyper apprécié d'avoir une belle petite collaboration comme ça avec des entreprises locales qu'on adore. Donc, pour participer, très simple, vous avez juste à liker cette publication. Assurez-vous de suivre la page Facebook de Freeride Québec ainsi que celle de La Fosse. Et parmi tous les gens qui auront participé ce vendredi, je vais faire tirer la totalité du prix à un chanceux ou à une chanceuse. Donc, bonne chance à tout le monde. Et évidemment, je vous invite à venir essayer les produits de La Fosse. Donc, si vous revenez du fat bike, du ski, venez faire un petit tour au pub. Même chose, vous allez rouler à Valais cet été. Il y a des super bonnes bières qui sont rachetées au menu probablement à chaque mois. Et il y a un petit menu de bouffe aussi qui est super agréable. Donc, bonne chance à tous. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec.